Le nez en l'air, les yeux vifs et l'appareil photo toujours à portée de main, les volontaires du Cercle historique de Jodogne parcourent les rues à la recherche des traces du passé. On se balade effectivement dans la rue et nous nous mettons de part et d'autre de la rue, de manière à pouvoir avoir du recul par rapport à l'autre côté en réalité. Parce que si l'on passe ainsi d'un seul côté, on ne voit pas nécessairement les choses, voyez-vous. Et dans l'objectif, le petit patrimoine populaire de Jodogne et de ses alentours. Des objets métalliques, on a des devantures en bois, on a des petites potales, on a des toutes petites, par exemple, des décrotoires qu'on ne voit jamais, alors que ça servait énormément au 19e siècle, quand on revenait avec les bottes pleines de boue, puisque les chemins n'étaient pas comme nous les connaissons aujourd'hui. C'est très important, on a des devantures de magasins, on a des tours de fenêtres, on a des entrées de portes, on a des objets métalliques un peu partout, on a des corniches. Tout ça, c'est le petit patrimoine. Le Cercle historique réalise un recensement de ce petit patrimoine populaire qui se cache sous nos yeux. Dans un an, un livre reprenant tous les petits trésors wallons sera publié. Un moyen pour ces passionnés de ne pas oublier ce patrimoine porteur d'histoire. C'est le petit plus, c'est l'emballage cadeau autour des belles choses. Donc tout a sa valeur et il faudrait continuer à protéger tout cela. Surtout une façon de se dire ça existait avant et on voudrait bien que ça continue évidemment. Mais on sait que les villes se transforment, on sait qu'il y aura des rénovations à gauche et à droite. Et on est donc des gens qui essayons de garder le souvenir de ces choses-là qui existaient et qu'on peut voir. Si on lève un peu le nez, si on fait aller les yeux à gauche et à droite, on les voit. Pour ce travail, pas besoin d'un grand savoir, un œil attentif et beaucoup de motivation sont nécessaires. Parmi la quarantaine de membres de ce cercle historique, quelques historiens, mais surtout des passionnés de leur ville. Vrai, Jodogne-moi, je suis né à la Chaussée-Loivre, figurez-vous, il y a presque 74 ans de cela. Je n'ai jamais quitté mon Jodogne et c'est par amour que je fais tout ça. Le Cercle historique est à la recherche de volontaires qui désirent donner un peu de leur temps pour venir observer et immortaliser ce petit patrimoine populaire, car les rues de Jodogne n'ont pas encore révélé tous leurs secrets.